for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cocktail portable. Donc j'ai essayé de faire des choses assez originales avec peu de matériel, enfin tout du moins du matériel pas très cher. De toute manière je vous mets tout le matériel en barre d'infos, comme ça vous pourrez savoir où je l'ai trouvé et également les prix. Je serais également assez curieuse de savoir ce que vous avez déjà fait comme cocktail portable. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez déjà réalisé et surtout avec quel matériel, si ça a été facile ou pas. Donc voilà, je serais assez curieuse de savoir ce genre de choses. Bref, en attendant, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mets également mon Instagram si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre des pouces d'encouragement parce que ça, c'est juste génial quand je vois que ça like beaucoup. Donc ça fait toujours plaisir. Et également de partager. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'une coque de portable transparente, d'une feuille de plastique transparente, des stickers, une paire de ciseaux et un crayon. C'est parti! Commencez à tracer le contour de votre coque de portable ainsi que les deux petits ronds de l'appareil photo. Ensuite, découpez le sticker de votre choix. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos pour savoir où je les ai trouvés. Et il vous reste juste à coller le tout. Et c'est fini. D'une paire de ciseaux, de la colle chaude, d'un crayon, de la colle, de feutre noir et blanc et d'un dessin imprimé. C'est parti! Tout d'abord, commencez par découper votre motif. Ensuite, reproduire le contour sur une feuille de mousse. Ensuite, découpez chaque élément de votre motif. Dessinez le contour de chaque élément sur chaque feuille de mousse, puis découpez le tout.
et il ne vous reste plus qu'à tout coller. Dernière étape, il ne vous reste plus qu'à coller votre motif sur votre coque de portable. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'une coque de portable, de feuilles de mousse, d'une paire de ciseaux, de la colle chaude, de la colle et un crayon et des paillettes. C'est parti! Petite astuce, pour réaliser les oreilles de Mickey, je me suis aidée tout simplement d'un petit pot de fleurs, mais après vous pouvez également les dessiner à la main, c'est comme vous voulez. Ensuite, il vous suffit de découper les oreilles. Par contre, faites attention de bien laisser un rebord d'environ 5 mm de façon à pouvoir coller les oreilles par la suite. Dernière étape, il ne vous reste plus qu'à coller le tout sur la coque. Pour que ce soit plus propre, n'hésitez pas à couper les petits morceaux qui dépassent. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever, yeah. Living on my sofa, drinking rum and cola.